Alors, le programme Rennes-Mathilde, c'est un programme qui vise à développer et pérenniser la filière laitière bio en Normandie. Et notamment, donc on est dans sa quatrième version, où l'objectif de cette version est de pérenniser les systèmes en place et puis de leur permettre d'acquérir des références pour aller vers une bio performante et résiliente dans un contexte de changement climatique. L'idée, en fait, c'est qu'on réalise différents types d'essais sur des fermes commerciales, donc ce qui nous permet de voir un petit peu ce qui fonctionne pas en termes d'innovation, des associations céréales protéagineux par exemple. Et puis après, on organise des activités de démonstration sur ces fermes vitrines de façon à montrer aux agriculteurs, à ce qu'ils voient, ces essais et leur donner envie de mettre en pratique sur leur ferme ces nouvelles techniques. Principalement, ça va être vraiment des livrets techniques avec toutes ces références dont on parle, des itinéraires très précis en fonction des essais qu'on a réalisés. Après, bien évidemment, on va être présent sur les salons bio. On essaye de diffuser au travers de différents types de conférences, au travers de formations. Toutes ces références sont libres d'accès et libres d'utilisation par tous. Voilà.